Baron, ce magazine spécial Aria à Diefenbach Oval. À Diefenbach, il y a Manu Masnez. Bonjour Manu, vous allez bien ? Bonjour, très bien, merci, bienvenue. Vous êtes la présidente de l'Aria. En quelques mots, pour nos téléspectateurs, expliquez-nous ce que c'est et à quoi ça sert. Alors l'Aria, c'est l'association régionale des industries alimentaires alsaciennes. Donc on a aussi bien les vinaigres, les jus de fruits, les laits. Les pâtes, les biscuits, ça fait combien d'entreprises tout ça ? Les sucres, à peu près. À l'Aria, nous avons aujourd'hui à peu près 110 adhérents. C'est une véritable force économique, ça, en Alsace. Ce sont des milliers d'emplois. Voilà. Alors, l'industrie alimentaire alsacienne, c'est le deuxième secteur industriel en Alsace, après l'automobile. Donc, vous voyez, c'est considérable. Alors, on est à Diefenbach Oval aussi. Pour ça, derrière, c'est l'autre casquette de Manu. Vous êtes la patronne de la distillerie Masnez, distillerie de père en fille, de grand-père en fille. C'est ça, en gros, c'est une vraie affaire familiale. Alors, c'est une vraie affaire familiale, effectivement. Je représente la quatrième génération. Mon arrière-grand-père, qui s'appelait Jean-Baptiste Masnez, était ce qu'on appelait ici un bouilleur de crue. Donc, si vous voyez partout ici aux environs, c'était un endroit où il y avait plein de fruits. Et donc, il y avait très peu de vignes. Donc, l'origine des produits, l'origine des eaux-de-vie est née dans cette vallée, en fait. Et on va vous montrer ça, on va la visiter, cette distillerie. Vous allez voir, il y a des alambics en cuivre qui vont vous rappeler certaines imageries très populaires. On parle un petit peu de Jules Verne, ce genre de choses. Vous allez voir, ce sera très beau. On y va, on file.